Chers compatriotes, la République démocratique du Congo a connu depuis le 23 avril 2022 une nouvelle épidémie de la maladie à virus Ebola. La 14e de son histoire et la 3e qui a été déclarée dans la province de l'Équateur. Cette 14e épidémie de la maladie à virus Ebola a affecté les zones de santé de Mbandaka et de Ouangata en pleine ville de Mbandaka, avec un système de santé déjà fragilisé par des épidémies antérieures et la pandémie COVID-19. C'est ici l'occasion de saluer l'accompagnement et l'appui des autorités provinciales à l'équipe de la riposte qui a été mise en place. La mobilité de la population de Mbandaka vers les zones de santé voisines, Bikoro, Yiranga, Bobangi, Bolomba et les provinces voisines, la Chuapa, Mongala, Sud-Ubangi et le Maïndombe, ainsi que le pays voisin, la République du Congo et la République centrafricaine, a exigé des équipes de riposte un degré de professionnalisme très pointillé en vue de contenir l'épidémie dans les limites de zones de santé de la ville de Mbandaka, j'ai cité Bolenge, Mbandaka et Ouangata. Chers compatriotes, cette riposte de la 14e épidémie avait aussi focalisé l'attention particulière du président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui de nouveau avait chargé le gouvernement de mobiliser tous les moyens nécessaires en vue d'arrêter celle-ci dans les meilleurs délais. C'est ainsi que, sous la supervision directe et coordonnée de Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement, nous avions, à travers la Direction générale de lutte contre la maladie, déployé sur terrain des experts afin d'apporter leur soutien technique à l'équipe provinciale dans la riposte contre cette épidémie. Chers compatriotes, après 42 jours de surveillance renforcée, 100 nouveaux cas confirmés depuis ce dimanche 3 juillet 2022 et conformément au protocole de l'OMS, je déclare solennellement la fin de la 14e épidémie de la maladie à virus Ebola dans la province de l'Équateur. Ainsi, je voudrais, au nom du gouvernement de la République, exprimer toute ma compassion et mes condoléances les plus attristées à toutes les familles qui ont perdu des êtres chers durant cette épidémie. Chers compatriotes, seules 2 zones de santé sur les 3 que compte la ville de Mbandaka parmi les 18 que compte la province ont été affectées. 3 aires de santé sur les 284 de la province ont été touchées. Un total de 5 cas parmi lesquels 4 confirmés et 1 probable a été enregistré et dont nous déplorons malheureusement le décès de tous, soit un taux de létalité de 100%. Signalons cependant que sur les 2 cas qui ont été admis au centre de traitement Ebola, un seul avait été mis sous traitement spécifique. Malheureusement, son décès est intervenu quelques heures après le début de sa prise en charge. Nous regrettons la disparition de tous les cas confirmés au moment où le pays dispose non seulement de l'expertise technique, mais aussi des vaccins et des médicaments contre la maladie à virus Ebola. Cette résurgence a eu d'autres particularités, à savoir le cluster de personnes affectées étaient non vaccinées au cours des épidémies antérieures, mais aussi 40% des personnes affectées étaient des enfants. Je voudrais profiter de cette opportunité pour remercier particulièrement les autorités politico-administratives de l'Équateur, la Division provinciale de la santé de l'Équateur, les experts du niveau national, ainsi que les équipes des zones de santé qui ont œuvré sans relâche pour atteindre ce résultat. Aussi, je salue l'engagement des différentes communautés des zones de santé de Mbandaka, Ouangata et Bolenge, ainsi que la collaboration de la population locale avec les équipes de riposte lors de cette épidémie. La victoire de la riposte tient aussi aux acquis de la 11e épidémie de la maladie à virus Ebola, mais également de la résultante de la coopération internationale à travers nos partenaires pour leur appui technique et financier dans la réponse à cette épidémie. Ici de noter que l'écosystème de la province de l'Équateur et de plusieurs autres provinces de la RDC reste favorable à la survenue ou à la résurgence des épidémies à maladie à virus Ebola. C'est ainsi
que la fin de cette épidémie doit servir de signal pour que le système de surveillance épidémiologique soit renforcé autour des guéris dont le pays en compte encore des milliers. Chers compatriotes, au moment où nous déclarons la fin de cette épidémie, la RDC continue à faire face à la pandémie COVID-19 et à d'autres urgences de santé publique. J'ai cité monkeypox, rougeole, choléra. Pour vaincre ces fléaux, les communautés sont invitées à s'engager aux côtés des personnels de santé, des leaders politiques et religieux. Nous rassurons la population de l'Équateur et les provinces voisines que les activités de résilience que nous avons lancées récemment vont se poursuivre afin de renforcer le système de santé dans cette partie du pays. Au demeurant, il leur est recommandé de continuer à maintenir les mécanismes d'alerte précoce des maladies sous surveillance à travers les systèmes de surveillance mis en place en vue de détecter rapidement les éventuelles épidémies à venir et de riposter promptement et efficacement pour réduire la charge de morbidité et mortalité de la population telle que le souhaite le chef de l'État à travers sa vision axée sur la couverture santé universelle. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que vive le ministère de la Santé publique, hygiène et prévention. Je vous remercie.